Bonjour, je vais vous montrer comment changer un intercooleur de turbo sur une Logan DCI. Donc ce sera pareil sur une. Donc c'est une Logan 1 et ce sera pareil sur je pense sur une Clio 2 DCI également. Donc c'est le 1,5 litre DCI. L'intercooleur là il a été changé. Alors je vais vous montrer comment j'ai procédé. Tout d'abord, il faut enlever le pare-choc. Alors le pare-choc, vous avez des vis apparentes au niveau du compartiment moteur. 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous avez les vis inférieures. Ici, ici. Donc ça nous en fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vis. Il faudra débrancher les anti-brouillards. Alors, le plus tordu, c'est cette vis-là, qui est planquée dans l'aile. Je vais vous montrer où elle est. Donc, elle est là. Donc c'est celle-ci que j'avais du mal à trouver, qui retient l'aile. Ensuite, le capot s'en va bien. Vous tirez un peu dessus, ça vient. Pas besoin d'enlever les phares, pas besoin d'enlever la traverse. Pour l'intercooler. Alors, tout d'abord, vous allez enlever l'écolier. Celui-ci et celui de gauche. Si les durites sont un peu dures, vous pouvez la déclipser par le haut. Ici. Et la remonter. Assez haut, là, bien la dégager. Ensuite, pour enlever l'intercooler, l'idée c'est que l'intercooler il n'est pas fixé, il est simplement clipsé. Il n'y a pas de visserie. Donc va falloir venir le déclipser avec un tournevis. On va essayer de prendre l'accès. Là, vous allez glisser un tournevis juste en dessous pour écarter la patte et pouvoir le lever. L'idée c'est simplement de le lever. Il y a juste la place pour le lever, pour le retirer. Et même chose de l'autre côté, il faut le lever. Et de ce côté-là, il n'est pas verrouillé. Donc vous n'avez même pas à le déclipser, vous avez juste à le lever, il vient. De ce côté-là, par contre, il vient avec sa bride. Là, bon, c'est pas gênant. Donc ça, c'est simple. Vous levez, ça. Vous déclipsez, vous relevez. J'ai écarté avec un gros tournevis plat pour ma part. Je vais vous le refaire, comme si je devais le défaire. Je viens glisser un tournevis. Ici, qu'on voit pas, je vais essayer de le. Voilà. Vous voyez tout en bas là, il faut venir glisser le tournevis en bas dans la lumière, donc là j'ai pas accès, pour venir écarter le verrouillage. Vous levez, vous retirez, et même chose pour le remettre. Vous le levez, mettez un peu d'angle, vous le remboîtez. Vérifiez que les clips sont bien verrouillés. Là je viens de voir qu'il y en a un qui est mal verrouillé. Donc je vais peut-être le forcer avec le tournevis. Voilà, pour le remontage du pare-choc, rien de spécial, c'est que de la visserie. Voilà.